Coucou les gars, ça, ouais, c'est Irène. Ça faisait longtemps quoi là avec mon chignon tout mou. J'aurais dû, je suis avec Miss Taguette Guidi, wesh. Moi, ça regarde. On va faire le jeu qui s'appelle comment, wesh? On va faire le jeu qui s'appelle Médecin. Et puis on va faire le chapitre 4, le dernier. C'est pareil, tu wesh. Alors elle me dit, j'en ai marre de tout bouger autour là. Reste à la maison que mes parents disent. Tu résoudras le problème toi-même sans me mettre dans la merde quoi. Je suis assez vieux pour décider ce que je dois faire. Tôt le matin, j'ai pris mes affaires, je suis parti dans le bus pour rendre visite à mon ami. Pendant ce temps, il y a un bonhomme étrange qui arrêtait pas de me regarder de sourire et tout. Finalement, il avait mon arrêt, du coup je suis descendu du bus et j'étais voir mon ami, wesh. Et après, j'ai réalisé et tout que j'aurais dû écouter mes parents. Et je me disais, what the fuck, c'est une blague ce qu'ils racontent et tout. Alors qu'en fait, ils s'inquiétaient pour moi. Et quand j'ai marché, j'ai entendu un bruit derrière moi. Et c'était le bonhomme dans le bus. Alors j'ai bougé, mais quand je me suis retourné, il avait disparu, wesh, pouf. Après, je me suis calmé, j'ai reculé. Et là, le bonhomme, il est sorti du coin de la vieille maison. Il m'a attrapé et tout. Et avant que j'aie le temps de crier, il a mis du tissu sur ma bouche. Et boum, je me suis évanoui dans la poussière. Je me suis réveillé dans une vieille cage. Et je ne savais pas comment sortir. Alors, j'ai pleuré, wesh, la honte. On dirait que c'est un cachet qui a écrit ça, là. C'est vrai, wesh. Parce que la demoiselle, elle a dit comme ça. Et nous, on va la sauver. Non, non, la dernière fois, moi, je faisais ça, on me disait, Irène, t'es raciste, des Asiatiques ou quoi? Je sentais juste Michael Jackson, j'ai pas compris. On est rien, ok. Là, y'a ça beau, wesh. Bref. Ah, c'est tout sombre, là, je marche dans un petit corridor carré, wesh. Il est trop cute, le corridor carré. Ah bon? Là, je suis dans le trou. Ouais. Complètement, ouais. Est-ce que tu vas mieux? Un petit peu mieux, quoi, mais, c'est pas un petit peu top. Wesh, ça te roule dans l'escalier. Il y a une reine qui s'accroutait dans ton sein. Je suis tombé avec mon chimeuillon, wesh. Où il est allé à l'étage. Je vais essayer de te sortir d'un sein. Ça, c'est moi, je dis ça à la demoiselle qui pleure dans la cage. Ouais. Et comment ça, il est allé à l'étage, le bonhomme? C'est moi, j'étais à l'étage, je suis tombé, wesh. Ouais, peut-être qu'il était à notre étage, parce que là, c'était le zingon. Ouais, ça veut dire qu'il est parti dans la porte là-bas, parce que là, c'est pas un étage ici, c'est la maison du 2, wesh. De mettre le 2. I just can't get enough. Y'a rien, wesh. Ça. Ah bon? Ok, je le remets parce que sinon c'est la demoiselle, elle va se faire terrasser, tu sais. Ah, what the fuck? Oh. Derrière la porte, elle m'a dit. Ah, il a, wesh, il va me voir, wesh. Il l'a mis dans son gros Nemo. Je suis dans ton cul, monsieur. Ah bon? Ah, il a ouvert la porte, wesh. Oh, fais attention quand je t'en sous la table, hein, patinette. Vite. Moi, il va pas te voir. Ah, je l'ai suivi à pas de loup, wesh. C'est dans la poche. Ah ouais, hein. Regarde, il repart. Ni fini connu, il nous a pas vu. Eh ouais, comme ça, je suis dans un autre endroit, wesh, parce que c'est... Attention. Ah oui, je vois pas beaucoup les pièges, hein. C'est quoi, ça? C'est un radiateur ou pas, ça chauffer le cul ou quoi? 2013, wesh! Oh, t'as fait tomber ça? Un coffre, hein? Heureusement que tu parles vraiment, tu rentres ma boule! Remets parce que je n'ai pas les codes, je l'ai remis, ouais! Y'a quoi dans la porte, tu peux l'ouvrir ça, non? Na, ouais! T'as des gros sourds si noirs, pas très bon, hein? What the fuck, tu mens? Y'a rien dans la pièce là, c'est bien beau que je peux l'ouvrir, hein. Y'a fait des trucs au plafond dans les entrejets dans cette porte. Est-ce qu'il y a pas? Ah, y'a rien qui me tombe sur la tête. Oh, y'a rien qui est tombé dans ton chignon là, tu sais. Mon chignon tout mou, wesh. J'ai refermé la porte parce qu'après le bonhomme il va me dire what the fuck, c'est toi qui as ouvert la porte avec ton chignon, wesh. Il faut qu'on s'en va Adèle en fait, ça sent le but. Ouais, parce qu'après Adèle elle pourra plus faire des albums, tu connais? Attention le piège! Ah non! Ben voilà! What's going on down there? Je dois me recacher sous la table, eh! C'est pas moi, wesh, c'est Adèle! C'est rien! Tu fais pas preuve d'intention, hein, sur les sols! Bah ouais, je vois tout sombre en fait, wesh! Là, il se précipite avec ses... C'est pas moi, c'est Adèle qui a fait un peu route le bruit! N'importe quoi!
avec. J'aimerais bien qu'il marche dans le piège là avec ses gros sabots. C'est ça, va-t'en, coquinou, wesh. Et wesh. Attention! Je suis sans cesse en train de me réveiller la gorge pour crier attention! Regarde le piège. Ah bon? Quoi? Il y a quelque chose dans la neige, dans le glace, il a dit. Ah bon? On dirait qu'il y a une bougie, là. Ah ouais, il y a une bougie, wesh, dans la gueule, là. Peut-être qu'il faut trouver une allumette et une clé. Parce que tout à l'heure, c'était écrit blanqué avec une clé. Alors, si tu trouves une allumette, ça va fondre, et peut-être qu'il y aura la clé dedans, ou une chose du genre. Ah, on peut pas fondre avec le chauffage, là. Si tu peux pas augmenter le chauffage. Là, il est reconnecté à ça, le chauffage. Électrique, je crois, c'est que si on change ça. Ça, c'est le truc que le bonhomme il a mis pour allumer le chauffage, et si je n'en change un, le chauffage il s'éteint et le bonhomme il va dire qui a éteint le chauffage, tu sais. Comment on fait? Spiderweb, comment ça Spiderweb? Tu peux interagir avec? Une toile d'araignée, ouais. Il y a un truc derrière les Spiderweb, ma planche ta main dedans, c'est pas grave mon grand. Là y a rien. I need to leave the elevator, bah il faut prendre ça, wesh. On est cassé, mais la viande en sein. Ok, mais tout est cassé, comment je fais? Laissez-moi entrer, wesh, mon ami Pierrot. Peut-être il va m'ouvrir si je fais une musique. Je regarde là, parce que parfois les Mr. Meats, ils mettent des clés sur son frigidaire, lui. C'est vrai que tu connais bien toi aussi le Mr. Meats, hein? Ah ouais, les cochons, ils m'avaient mangé, wesh. Ils m'avaient boulotté comme jamais. Je m'étais dit, what the fuck? Normalement, c'est moi, je mange les cochons, pas le contraire. Dans une bonne quiche en plus. Des fous malades. On va se faire atomiser par les véganes. Le cochon de messieurs viande, il le mérite. Il me dit, la porte est fermée à queuler. Et moi, j'essaie de trouver une queuler pour passer, wesh. Et là, je fais le tour de la maison, là, tu sais pas, il y avait rien, wesh. Bah, c'est malin, ça. Mais pourquoi il veut pas plonger sa main dans les toiles d'araignée? C'est pas grave. Une fois fin, c'est fin, quoi. T'auras l'objet, tu seras décoincé. Le gars, il se dit, non, je vais salir et crapauder les mains. Je peux vraiment pas faire ça. Ferranc, il s'appelle. Il s'appelle Ferranc, si jamais vous voulez son blaze. Abaisse-toi, mon grand. Comme ça, si vous trouvez des profils sur un site de rencontre, il s'appelle Ferranc. Il a un casque de corbeau, faut pas lui parler. Il a une petite calvitie de sous. Après, vous allez être capturé comme Adèle. Mais... Adèle, c'est du wesh. Je vais avoir un beau rencard avec un jeune homme corbeau. La douche est froide quand elle l'a vu en vrai. Il a que du lait dans son frigo parce qu'il mange que des céréales, wesh. Sur le bureau, il y en a. Il est glouton et féru de céréales, celui-ci. Exact. Est-ce qu'il y a un truc là dans le trou? Non, moi je me demande ce qui se trame. Attendez, peut-être qu'il y a une mise en jour. Et que... Si on fait ça, genre, un œuf. Et c'est le compte qu'il faut trouver pour ça. Ah bon? Les traces de sang, là, ça fait un œuf. Ah ouais, c'est vrai, on va mémoriser les numéros 9, wesh. Peut-être que c'est un poreux, hein. Je me suis rappelé parce qu'il y avait ça dans le jeu même avec le clown, tu sais, je me suis dit. Attends. La dingue. En gros. Là, il y avait un œuf. Ensuite. Est-ce qu'il y a un chien, pressé? J'en ai besoin de combien déjà pour ce code de camp? Oh, mais en fait, on peut l'ouvrir. Mais ça écrit presse open. Ah non, c'est pas un code avec des chiffres, c'est un code avec des bips. Genre quand t'appuies, ça me fait bip. Peut-être c'est un code morse, il faut faire des bip bip. Dans le bon ordre et tout. Mais je parle pas le morse, moi, en fait. Je vais demander à Maurice parce que ça ressemble à morse. Ah, c'est vrai, wesh, peut-être il connaît. Mais du coup, il faut se rappeler quand même le 9. Parce qu'il est pas sur le mur pour rien, en fait, tu savais. Je pense, ouais. Il y a un œuf qui est incapable en plein sein. Je suis en train de faire des trucs random. Dans les gâteaux, il y a des œufs. Voilà, ça fait pas bibi parce que t'appuies sur open, t'appuies pas sur le bouton. Ah ouais, merde, alors, hein. Bah ouais, mais je sais pas parler et causer le morse. Comment on fait? Eh bah, je vais demander à un morse dans l'eau s'il peut me traduire ça. C'est vrai, wesh. Je vais demander à un barque à Raoul, il va me l'apprêter. Je vais trouver un morse et revenir après. Une feuille. C'est quoi? Hein?
morceau de tissu, on dirait. Ouais, on dirait un vieux torchon tout mouillé. Là, y'a rien dedans, wesh. Qui vient de laver une vaisselle, sans lait. Ah, dégoûtant, wesh. Là, y'a la queue, j'ai vu. Avec un gros scotch blanc, wesh. Ça passe pas, il n'a personne, les gros scotch blancs. Qu'est-ce que c'est? C'est pas la queue de ici, c'est la queue de ici, alors. Ah, impeccable. Giga top, wesh. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Coucou Adèle, wesh. S'il faut passer chez le coiffeur, hein, faut penser. Tu m'en parles rien avec ton chignon tout mou qui s'en donne ça rien, là. Mon chignon, il est beau, wesh. Là, tu es qui? Je peux te rentrer dans sa chambre, wesh. Ah, oh, t'es maquille, mais bon, c'est t'en dans. Ok. Ah, oh, du nouveau, du nouveau. Avant, il y avait un générateur dans sa salle de bain. Dans la salle de bain? On t'a pris un bout de miroir. Ah, pourquoi on se voit pas dans le miroir? Je voulais vérifier mon make-up, wesh. À la place, j'ai ramassé du verre cassé. Oh, il y a une ventouse, là. Là, je vais la mettre sur la tête de Jean. C'est vrai. Je l'ai ramassé, la ventouse, hein. Ah bon? Ouais, regardez, elle est dans mon inventaire, là, il y a de la ventouse. Je croyais que c'était pour un rien du tout. Maintenant, tu peux me mettre dans les chiottes, alors. Tu crois? Non, je sais pas, ça sert à ça une ventouse de base. En plus, là, regarde, c'est tout marron. Ah, il a chié. Il devrait avoir honte quand il ira là. Ah, j'ai goûté et j'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment mis ces toilettes là. Ah, ah tu ouais. Fermes. T'as trouvé une valve. Ok. Dans la baignoire, y'a rien? Ah, oh, y'a de la salade, tu sais quoi? J'ai fait quoi? Hein? Ah, j'ai mis le torchon dans les lavabos, wesh. Ah bon, pourquoi ça? Ah, je sais pas, ouais, je fais mettre de l'eau sur les torchons. Y'a pas d'eau. Ah! Ok. J'ai trouvé ça dans la petite roue, là, comme ça, j'ai trouvé dans les toilettes. Et du coup, je me suis dit, ouais. Dans la conscience. La pièce avec l'ascenseur, là, tu sais. Ouais. Peut-être que je peux faire monter l'ascenseur avec une roue. Oh, bon, je sais pas, je sais. Et. Faut trouver un moyen de prendre le balai, ou je ne sais quoi, c'est pas un balai, c'est un levier, on dirait. Mais ah, je sais pas, wesh. Ah ouais, style shield. Shieldé ou quoi? Ah! J'ai mis la roue. Oui. Ah! Je l'ai cherché, wesh. Ah, tu dois courir! Ah! La lumière est dessous. Vite, je dois me remettre sous la table. Oh, j'ai peur à chaque fois que tu frôles le piège, là. Ah mais je le vois pas, wesh! Je suis sous la table! Oh, tu mets ce sapin pas beurre, s'il te plaît! Oui, tout à fait! C'est le tuyau, il a éclaté, c'est pas moi du tout que je l'ai fait, wesh! Ouais! Ah, il a pas... Je l'ai vu? Vite! Mais non, mais pourquoi tu t'abaisses trop longtemps, en vrai, hein? Il a posé une queue, j'ai vu, je l'ai ramassé comme un petit furet furetif, wesh! Ah, j'espère qu'il n'y avait rien. Là, il est en train de ramasser sa queue que c'est moi, je l'ai pris pour autant, il est cool. Ah, j'ai ramassé sa queue, wesh, ça ouvre quoi? Ça ouvre la porte, hein? Non, ça ouvre pas. Moi, j'en ai déjà parce qu'il aurait bien remarqué. Peut-être sa chambre, hein? C'est ton secret et tout, sa chambre. C'est vrai, wesh. Oh putain! Ah, génial! Est-ce qu'il a emménagé un peu? Le coffre a disparu. J'ai encore ça, mais je sais pas ça sert à quoi. Je sais pas, mais là, il y en a. Attention, piège derrière toi. Ah, il a mis un piège à côté de son lit, wesh. Après, il va se réveiller, il va l'oublier, il va marcher dessus. Oh, t'as cassé son coussin. Ah! Oh, il y avait une clé dedans. Reviens à la couverture. What the fuck? Je voulais regarder s'il cachait des magazines bizarres sur son lit. Ah, ah, honte, hein. La lose, hein, je voulais dire. Ah, il codait. Ah, c'est pour ça qu'il nous faut le neuf. Ah, c'est vrai, t'avais trouvé un œuf sur le mur? Ouais. Et maintenant, pour les autres? Je pense que c'est toujours là, quand même. Les autres numéros, il faut maintenant. Oh, la bouilloire, elle avait l'air un peu surbrillante. Un petit kettle. Elle est vide, il faut la remplir peut-être avec... Mais le lavabo, il avait dit qu'il n'y avait plus d'eau, wesh. Bah, pourquoi tu ferais un train? Bah, c'est vrai. Bah... C'est génial, écoute, il nous invite à prendre le tien.
C'est pas grave, il y a de la peinture cracra ici. C'est un con. C'est peut-être c'est un numéro. Ouais. Ça, c'est comme 125. Bah, pas du tout, il y a qu'un peu très bleu qui pue. Tu crois? Moi, je sais pas, en fait, c'est vrai. Bon, là, il y a un très. Oh non, là, il y a un. Oh, ça fait un 5. Ça se voit. Ça fait un 5? Là, parce que là. Là, c'est la forme d'un 5, là, il y a un trait, là, il y a un autre trait, ça fait un 5, c'est sûr. Du coup, il y a 9 et 5 à retenir. Ok. Allez, send to your heart. Ouais. J'ai ferme. Ah, t'es moche, là, tu me fais peur. Et... Il y a pas de piège dans cette pièce, ça fait plaisir. Oh, il y a un chiffre, là. C'est quoi? Bon, il y a une trace de sang, ça fait. Ça va faire un 2, on dirait. En tant qu'enfin, là, je me dis. Ça, c'est la fin du chiffre 2. Mais non, c'est un 4. Ah bon? Ouais, sûr. Quand tu regardes dans le portier, ça fait un trait. Comme ça. En fait, moi, je vois pas sur le grillage la peinture, je vois que des trucs sur le mur. Mais je vais te confiance. 9, 5, 4. Dans non, quel ordre? Moi, je pense que 9, 4, 5, on vient parce que c'est dans l'ordre des pièces qu'on entre. Ah, tu crois? Moi, je veux dire. Mon intelligence de licorne me souffle des choses à l'oreille. Comme ça? Ouais. Ah, oh, c'est pas ça, là, tu sais, 9, 4, 5. Peut-être à l'envers, 5, 4, 9. Ouais. 5, 9, 4? Ben, qu'est-ce que tu me racontes, wesh? Oh, merde, comment on va faire, là, tu sais? Ah, c'est ça? Ah, ouais! Ah, oh, oui, regarde, il y avait un code couleur sur ma chaîne, sur le poignet. Ah bon? Ah, je le vois pas, il est pas. Ça, c'est pour l'ascenseur. C'était dans la couleur où les chiffres ils étaient écrits. Genre le 5 à 3 il était écrit en bleu ou je sais pas quoi. Oui c'est vrai, le 4 il était rouge. Et ben du coup il fallait regarder cette autre couleur. Mais sinon j'en vais bon hein sur la tissin. T'es trop une licorne wesh. C'est vrai ça la tissin. Alors j'ai trouvé un truc de l'ascenseur alors je vais l'essayer. C'est vrai hein, viens. C'est quoi cet écuellé? Non je sais pas la tissin. Que j'ai trouvé dans son coussin. Je pense pas que ça soit. Ah, c'est là, hein! Bon, je vais dire comment il fait pour fermer la porte, bah, ça veut dire qu'il avait un double alors. Ouais, hein? Je vais voir ce que je peux faire avec les leviers de l'ascenseur avant. Listen to your heart, wesh! Merci, il a entendu le bruit. Bon, ça va, tu peux rien faire. Ah, c'est vrai, je dois d'abord mettre. Mais si je remets ça, il va revenir ou pas? Est-ce que tu peux prendre l'eau dans les égouts? Dans la trappe? C'est pour faire fuir. Fondre la glace dans le truc, non? C'est pas pour le tien. Ah, t'es trop intelligent, wesh! Putain! Tu veux pas prendre l'eau des égouts? C'est ce que j'étais parti voir. Oh, mais putain! 500! What the fuck? T'as trop raison, wesh! Ingénieur, je suis ingénu. Tu parais-tu, je vais le faire cuire le thé, parce que si c'est pas chaud, ça va pas fondre, tu savais? Oh non, je savais pas, là, tu sais, attention! Oh! What the fuck? Là, il a mis un four, je fais cuire comme ça. Ça va faire du bruit, ça! C'est vrai, wesh! En plus, quand t'as des. Non, c'est pas grave, déverrouiller la porte. Ah, c'est en train de faire. Ah! What the snow? C'est pas moi, c'est pas moi, je fais. Ah, je suis coincé, je fais du thé! Oh là, je crois que tu vas recommencer tout, là. Il est là, cours en fait. Ah non, bah c'est mort, t'es trop loin. Je suis coincé, wesh! C'est mort. Coucou! Tu m'as pas vu mon grand, tu mens, hein? Oh là là! Ah non, wesh, il est nul! Il m'a mangé avec son bec de corbeau! Alors là, c'est moi, c'est que tu... Oh non, tu nous fais tout recommencer, là? Ouais! Oh, t'es sérieux, t'es zinzin ou quoi? C'est moi, j'ai raté! Là, on joue le bonhomme du premier niveau qui vient sauver Adzer. Dans le chapitre 1, il s'est échappé par là. Là c'est vrai! Là, je veux sauver Adzer et tout! Du coup, je crois que c'est la clé, elle est encore là où tu l'as eu. Oh non, elle est plus là. Ah non, wesh! Faut recommencer à trouver la clé! Du coup, là, j'ai vu ça, c'était un peu noir-rouge. Ça, on l'a jamais pris, on sait. Oh non! Bon, je vais retrouver ma clé, les amis, et... Bon, je vais essayer de faire ça un peu vite, hein! Écoutez, tant qu'à faire. Oh, bah, ben, elle est là! Ah, dans le petit trou, wesh! Excusez, j'en ai pas pu la voir, hein! Est-ce qu'il y a encore les chiffons là dans le truc? Oh, il est là le chiffon. Ça, il va pas. Et du coup, faut les poser dans les lavabos, je sais pas pour eux quoi, wesh.
Moi, je vais faire ça de faire quoi? Les ceintures. Moi, j'esquive tous les pièges. Là, il y avait un bout de miroir. C'est là, il y avait la ventouse avec le cancan. Ah, et puis là, la ventouse avec le cancan. Wesh, comment tu vas faire pour ramasser dans les toilettes? Je plonge pas mes doigts de fin dans le cancan du monsieur. Je vais trouver la ventouse. Hop! 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 Ventouse! T'as vu une ventouse? Mais en plus, lui, s'il n'y a pas grand chose en fait, parce que je t'explique, la porte de sa chambre, elle est fermée. Mais... Là, ça fait un 4. Alors, moi, je vais regarder si là, la ventouse arrive. Où ça qu'il aurait mis la ventouse? À part là. Là, dans les petits meubles à côté, t'as pas regardé ce qu'il y a. Ventouse! Oh, il y a la ventouse là, tu sais. Génial! Epic! Bon, tu crois? Je vais ventouser son vaccin, quoi! C'est pas ma passion dans la vie de tous les jours. Hop! Je trouve quoi? Une valve! Du coup, bah, je sais qu'il faut aller la mettre là-bas! Exact! Grâce à l'aventure ratée d'Irène! Parce qu'Irène, c'est une grosse ratée! Simon, t'as pas fermé la porte derrière toi et après, alors qu'il va venir et tout, tu vas devoir courir. Putain, c'est vrai. Les ceintures. Ah. Oublie pas de reprendre la valve après que tu l'as tournée. Non, je vais pas la reprendre. Prends. Oh, what's going on down there? C'était moi, c'était quelqu'un. Là, il a dit, ah, le tuyau, il va exploser. Si là, il trouve la valve, il va dire n'importe quoi. C'est pas explosé, c'est toi, tu l'as dit. Tu vois? Bah, ouais, c'est quand ça va, Jacques, c'est ça, là, il est parti. Oh, il a mis un clé, faut que je coupe. Vite, vite! Hop, je récupère ça, beau! Vite! Moi, je viens de faire un speedrun et tout. Heureusement qu'il est un peu lent. Pour remettre le trinc. Avec son gros nez. Genre, là, il me voit pas. Ah, ça va! Tu viens de décapiter sa peau sous mes yeux encore une fois! Ah non, mais si j'ai perdu sa tête, ça roule! On peut dire qu'il n'a pas la tête sur les épaules, quoi! Il a perdu la tête parce que j'étais jolie! Moi j'ai la clé, c'est la clé de sa chambre, du coup! I just can't get in. Oh, si, il y a un piège! J'en dirais pas bien, je suis fière. Ça s'est retourné contre moi, quoi! Et du coup, j'avais mis le bout de verre dans son oreiller. Oh, c'est vrai, ça! J'ai fait exemple, ça t'a ça. Hop! Quand il va voir son coussin grincé, il va se dire putain de merde, il va être dingue avec ça. C'est vrai, wesh! Je ferme tout alors que je devrais repasser là-bas. Mais pour l'instant, je peux pas. Ben là, t'as trouvé la queue. Oh, si, c'est vrai, bah si. Oh, je suis dans son coussin. Mais c'est un tour, Yora. T'as vu tout ce que je fais pour toi, Adèle? Au lieu de me suivre comme ça, parmi toutes les pièces, t'as intérêt à me rembourser. Parce que moi, je suis pas riche et je veux de l'argent. T'as pas ouvert aussi le coffre, là, avec les 5, les 9 et les 4 qu'on avait trouvé. Bah oui, mais ça me vient dans son temps, laisse-moi tranquille. Après, tu sors du bec, quoi. Dis-moi, wesh. Je vais faire au moins ça. Le code il a pas changé, on dirait. 5, le 5 il est écrit en fond 5. Le 4 il est rouge. Rouge et bleu. Et là c'est bleu. Et là tu regardes ici, rouge, bleu, noir. Du coup c'est 4, 5, 9. Open. Hop. Génial, wesh. Et là après il faut que tu fasses l'été. Putain, moi je suis parti. On a d'être ça, tu sais! C'est là où tu es arrivé, hein? Spam-clic! Cours! Faut éteindre la lumière et tout en plus. Bah, je sais, hein, moi je suis pas toi. Et là, tu vas sous la table! Genre comme ça, en 2-2. J'ai dit en 2-2, mais partout, là. Ah, j'ai eu peur, wesh, qu'on recommence encore! Ils voulaient pas fermer la porte, il est zinzin, le zozo! Qu'est-ce que tu fais cette fois, mon grand? Et là, après, tu vas essayer de faire fondre la gueulasse, du coup. Exactement. Ouais, c'était gardien, c'était moi. 37 ans, mon grand. Là, je me dis. En toute logique, c'est pour ça. Il y a vraiment une bougie, wesh. Ah, pourquoi une bougie? C'est son anniversaire, on va faire un gâteau. Je la mets dans ses céréales. Après, je vais les manger si je clique dessus. Je reconnais ce stratagème de con avec les saucisses et tout dans le frigo et que tu cliques dessus, tu le manges et tu te fais un tanquin. Qu'est-ce que je fais avec la bougie? Dis-moi. Peut-être tu peux l'allumer déjà?
Il y avait du feu dans sa chambre, dans le machin. Où t'as fait cuire la machin, la bouilloire de thé. Oh, moi, je partais à la porte parce que sinon, je vais être coincé. Les ceinturions, hein. Pourquoi j'allumerais? Oh, c'est pas pour fuir les voiles d'araignée ou pas? Ouais, bonne idée, hein. Donc, à faire, je vais tout essayer. Moi, je me dis, je trouve les informations dans ma cervelle. Les filets d'araignée, ça brûle, tu savais? Non, je savais pas, regarde. Ah, extraordinaire, t'aurais pu tout cramer, l'amour. Et t'as trouvé la science infuse dans les licornes, wesh. C'est vrai, ça, moi, c'est parce que j'ai des informations ressources full, là, dans ma corne. Et là, t'as un balai. C'est une antenne d'intelligence qui est en train de capter la Wi-Fi. Bah, dans les métiers 2, il y avait un balai, ça servait à rien. C'est écrit bombe, c'est pas un balai. Si, ça veut dire le balai. Oh, mais moi, c'est broom balai, hein. Mais un mop, c'est un balai pour laver par terre, alors qu'un broom, c'est pour balayer, je crois. Ah ouais? Moi, ça m'énerve, ça. Tu sais, merci, qu'est-ce que je dois balayer? Tiens, balaye ta chambre. Balaye devant ta porte, comme on dit. Oh, c'est malin, ça. Il faut s'abaisser pour ramasser, wesh. Mais wesh. Attends, je vais aller sous la table. Mais il va dire, ah, le balai, il est plus là, wesh. Ah oh, non, j'aurais pas eu le temps d'aller le remettre, ils sont malins. Ah, oh, ça m'énerve pas, ça. J'espère qu'il va juste l'asphyxier. Le balai était là pour une raison, il a dit, pour quelle raison, wesh? Je m'en piège, là. J'espère qu'elle va pas mourir. Non. Elle est tous. Bah ouais, parce que tu me vois pas sous la table quand je suis en face de toi. Il te fait pas tout recommencer? Oh non. Du coup, tu peux remettre le balai à sa place. C'est quoi t'as trouvé? Un lockpick. Mais il est pas repassé, il repasse pas. Est-ce qu'elle est morte là, d'ailleurs? Non, il était reparti tout à l'heure, là. Ouais, il était parti. Il est pas reparti là-bas parce qu'il y a des trucs pour asphyxier. Ah, elle est là. Ah, tu vas bien, moi, c'est bon, je m'en fous. Bon bah dans ce cas-là, je vais remettre le balai, je crois, non? Mais t'as encore la kettle et tout dans tes mains. Mais il va le voir que c'est revenu, non? Je sais pas, wesh. Mais me sert à quoi, ça? Il va se dire qu'Adèle l'a remis. Mais j'en ai plus besoin, aussi. Peut-être essayer d'ouvrir les casiers qui étaient coincés avec le lockpick. Dans le truc là-bas? Ouais, je crois qu'il était là, je sais pas. Coucou, Adèle. Il y avait un casier coincé, je crois. Je sais pas si c'est ça. Ah, oh, c'est cette celle-là. Ah, ça s'est ouvert, wesh. C'est quoi? Pipe. Un tubillon. Est-ce que je vais... Ah, oh, si je clique là. Je réfléchis avec mon cerveau de plombier et de tuyauterie. Je me dis, wesh, il n'y avait pas d'eau dans la salle de bain, mais je sais pas si c'est un rapport. C'est vrai, ça, on va aller voir là-bas. Je rêvais d'un autre monde. Je vais faire quelque chose dans les bassins, non? Non, c'est fait. Là, donc, c'était vide après. On peut rien faire avec. Si je m'inverse, peut-être. Non? Ah, bah, je vais donner tout ce que j'avais. Hein. Ouais, et pourquoi t'as encore le levier et tout? Bon, le levier, je l'ai pas utilisé, mais ça, je me demande pourquoi je l'ai encore. Ah, peut-être la bouilloire. Ah, en fait. Tu dois remettre de l'eau, je sais pas s'il y en a encore dedans. Et peut-être dans le lavabo, quand il t'avait dit qu'il n'y avait pas d'eau, pour mettre de l'eau sur le mouchoir. C'est vrai. Peut-être il faut mettre de l'eau avec la bouilloire. Ah ouais, c'est là. Ça fait de la buée. Ah, oh, c'est le code de Morse, wesh, que j'avais dit que c'était en Morse, le machin. Bâton, bâton rond, bâton rond rond, bâton rond rond, comme les chiens ils font. Lol. Bâton. En fait, les bâtons, c'est un long bruit et les ronds, c'est un petit bruit. Bâton, bâton, rond, bâton, rond, rond, bâton, rond, rond. Retiens ça. J'ai oublié. Moi aussi. Je crois que c'est bâton, bâton. Du coup, un grand. Bâton. 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 Rond. Rond. Bâton. Bâton. Rond, rond. 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 Bâton. Bâton. Rond, rond. 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 Ça marche. Ouais. Eh, on est trop fort dans le morse, wesh. Bah donne du coup. Ah, tu peux pas les ramasser. Là, je vais me rentrer ici. Je vais chercher de quoi. Là, le levier est cassé. Peut-être le pipe que t'as trouvé, mais après c'est un tuyau, mais bon. Ah non, ça marche pas. Oh si, t'es biscornu, toi. Wesh,
Et du coup, faut mettre 24 volts pour remonter l'ascenseur. Mais il faut se rappeler de ce qui est dedans, sinon il va éteindre le radiateur. Bah, au bas, au haut, bas, bas. Au bas, au bas, qui me dit le... Du coup, faut remettre comme ça après. Faut mettre 1, 3, 4. 1, 3, 4. Hein? Et là, pour l'instant, faut mettre 24 volts. Comment on fait 24 volts, là? Moi, je comprends pas. Faut additionner, wesh, les volts. On avait fait dans le métier le 2 ou je sais plus combien, là. Tu sais, j'ai oublié, c'était quoi les résultats? Si, tiens, ou ils en apportent. Essaye. Le 5, le 4. Et les deux derniers, peut-être. Ah, génial, Irène. Et comment on fait déjà, là? Au bas. C'était le 1, 3, 4 qu'il fallait mettre en haut et les autres, non. T'as pas remis l'ascenseur en bas, wesh. Et maintenant, c'est plus 24 volts, alors c'est coincé. Ah, faut que tu cours sous la table. Vite, la lumière et tout. Putain, cours que Dieu, cours que Dieu. Ah! Tout va bien. Il t'a pas vu? Non. Ah, what the fuck, c'était épique, wesh. J'espère qu'il va pas remarquer quelque chose. Oh, j'aurais pas dû remettre le truc maintenant parce que je pourrais plus ramener le machin. T'as rien vu, t'as rien vu. Le balai n'était pas là quand je suis parti, il a dit. Il fallait pas jouer avec le balai, je l'avais dit, du coup. Oh non, mais je vais mourir, là. Mais là, il va la tuer, on va recommencer après. Oh non, il a dit goodnight, c'est la fin. Oh non, wesh. Adèle, t'es là? Tout va bien. Respirator filter, il me dit, je peux pas le prendre. Toujours, il est en train d'étouffer Adèle, si on pouvait juste lui donner ça, wesh. Oh, la tête à sabot, elle est pas retue. Oh, c'est ça que j'ai senti tomber sur moi. La pluie de tête. C'est quoi le code? On n'a pas le code, y'a que le bonhomme qui le connaît. Ah bah il va falloir faire quelque chose avec le bonhomme. Ouais, dis-moi tout. Oh. Là comme il leur dit, je vais trouver un truc pour respirer, je pense que peut-être je peux le ramasser. Ah oui, peut-être c'est ça, il a dit qu'il avait un plan. Oh non, ça marche pas. Mais comment il faut faire pour le ramasser? Adèle, j'arrive pas à le ramasser avec mes mains. Et la valve, c'est pour le... L'ascenseur, c'est pour... Et c'est tout. Pourquoi appliquer ça dans ton inventaire? C'est genre tu fermes pas la porte, après s'il vient, t'es dans le caca, wesh. Mais je sais, j'ai l'intention d'y retourner après. Oui, mais si tu mets la valve, ça fait du bruit, là, il vient. Et ben, je vais le fermer la porte. Mais je comprends pas pourquoi je la remets. Bah, je sais pas. Ça sert à rien, cette merde. Est-ce que c'est pour qu'ils viennent et qu'ils me mettent quelque chose là? J'en sais rien encore. Non, il est venu sans rien, en plus. Hein? Mais non, mais j'ai déjà ce qu'il y a dedans. Genre là, c'est juste, il ouvre ça. C'est le truc pour avoir la clé. Bah ouais, du coup, il fait quoi? Parce que là, il est en train de réparer le pipe burst avec un outil. La clé, moi, j'avais déjà pris. Hop, et là, il va pas s'appeler le maniaque, hein. Ouais, donc en gros, moi, je sais pas trop. Mais pourquoi j'ai la valve si elle ne sert à rien? Là, tu pourrais me le donner. Le gars, il a dit, il me faut des respirateurs filtres. Il veut pas me le donner. Randel! Ça se trouve, il faut que l'ascenseur, il soit en haut. Il a vraiment... Ah, pourquoi? J'ai fait du bruit. Quoi? Comment ça? Mais il était déjà là. Il était déjà là, le bout de vase avant, hein. Arrête d'étouffer, Adèle. Moi, je peux pas ramasser les objets. Elle est morte, wesh. Adèle est incendiée grâce à moi. Et du coup, il faudrait recommencer encore. Vite, Adèle. Ah, tout va bien. Oh là 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 là, la dingue, ça. Qui s'est passé, là? Ah, j'espère que c'est bon, wesh. Cette fois, c'est là, il parle du vase, il est con. Ah, il est parti où? Oh, mais il est con, moi. Ah, mais il est trop con, wesh, avec le vase. Était de temps, ça, mon loulou, il était déjà sur le sol. Du coup, les amis, on a tout recommencé parce qu'en fait, on avait perdu quand Adèle, elle était morte. On a refait tout le même chemin sans remettre le balai à sa place. Et en fait, dans l'ascenseur, il y avait un objet qu'on n'avait pas ramassé. Du coup, on a juste fait tout pareil, mais on a ramassé l'objet avant de le remettre par terre. Et je crois que c'est pour ça qu'on pouvait pas ramasser, en fait, le...
Voilà! Là, on a un gaz respirateur. C'est vrai, parce qu'il fallait connecter les deux bouts. Ça tient en deux morceaux, là, en fait, c'est ça. Et là, faut le donner à Adèle. Il se respirateur et tout. Mets-le quand le psycho sera dans la chambre. Et nous, on va aller le trompeter. On va l'asphyxier parce qu'il sent mauvais. Ok, du coup, on va asphyxier le bonhomme. Au secours, j'ai peur de rater, wesh. Moi, tu veux me donner, mais je suis pas sûr d'être fort, hein. Si tu veux. Oh, c'est couru, mais j'entends rien, tu sais, du coup, je sais pas quand et quoi. Attends, j'entends rien aussi. Là, il dit ce qu'il a écrit, là, il est rentré. Oh, oh non, wesh! C'est pas possible! Les camarades, on a raté! Bon, bah, en fait, peut-être on est sorti de la table trop tôt, je sais pas. Mais en gros, les amis, là, on allait appuyer sur le bouton, fermer la porte, il allait être coincé dedans avec Adèle. Après, on l'asphyxie. Et quand on a donné à Adèle le masque, Adèle, elle va pas mourir et lui va mourir. Après, on ouvre la porte et Adèle, elle s'en va avec nous. En fait, genre, on est trop fort et tout, et qu'on a réussi, ok? Parce qu'en fait, on avait trouvé la solution. C'est juste qu'on a fait la mauvaise manip, tu vois. Et merci d'avoir regardé. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Dites dans les commentaires qu'on est trop fort, sa mère, même si qu'on a perdu, wesh. Faut pas dire qu'on a perdu, c'est pas vrai. Mettez des likes, des abonnements, des petites cloches, tout ça, vous connaissez, quoi, et tout. Hasta la vista. À plus tard, wesh. Wesh! Salut Coco!